question d'une sœur qui demande: Assalamu alaikum, cher, quel plaisir de vous écouter par rapport à l'amour qu'Allah porte sur ses élus. Est-ce qu'Allah n'aime que ses élus ou-t-il tous ses serviteurs, comme sur le hadith, sur sa miséricorde? Omar ibn Khattab radiallahu anhu rapporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit auprès de prisonniers. Soudain, une prisonnière se précipita en direction d'un enfant qui se trouvait parmi les prisonniers. Elle le serra contre sa poitrine et l'allaita. À cet instant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda: Pensez-vous que cette femme puisse jeter son enfant au feu? Il dit: Non, par Allah. Il dit: Allah est assurément plus miséricordieux à l'égard de ses serviteurs que ne l'est cette envers Allah. La miséricorde est un attribut, l'amour est un autre attribut. Allah Ta'ala est miséricordieux aux kuffars. Il leur donne à manger, à boire, il respire son air, mais il les aime pas. Donc la miséricorde n'implique pas l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, ça il faut bien le comprendre. Donc le hadith ici qu'elle a cité parlait de la miséricorde et non d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour répondre à sa question, est-ce que Allah Ta'ala aime tous les croyants? Je dis, par rapport au kuffar, Allah aime les croyants. Mais les croyants en eux-mêmes, yani l'amour d'Allah azzawajal n'est pas le même par rapport à tous les croyants. Allah Ta'ala aime le croyant. Mais le croyant, par exemple, qui, par exemple, prie la nuit, est plus aimé par Allah que celui qui ne prie pas. Et le croyant qui, par exemple, jeûne, Ashura, jeûne les lundis, jeudi, etc., est plus aimé par Allah que celui qui ne fait pas ces choses-là. Donc, plus la personne fait d'adoration, sincèrement, voulant le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, suivant le prophète alayhi sallam, plus cette personne est aimée d'Allah, yani plus que la personne qui ne fait pas ces choses. Sinon, en général, Allah Ta'ala aime le croyant. Mais plus le croyant fait de choses, plus il l'aime, plus que la personne, l'autre croyant, qui ne fait pas ces choses-là. J'espère que c'est clair, Inch'Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala alam. Tfadhal.